Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes mercredi, 11e jour du mois de, du mois d'août 2021. Ce grand live démarre avec un léger retard, toutes nos excuses. Nous sommes en train de mettre les choses au point techniquement, avec la technologie, toujours dans les soucis de mieux faire pour vous servir. Des travaux intenses et tout est fin prêt pour vous servir. Entre-temps, le processus de modernisation continue. Nous allons prendre l'actualité, mais je vous informe qu'on a un seul sujet ce soir sur cette table avec un seul invité. C'est donc l'évaluation de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Effectivement, les auditions continuent à l'Assemblée nationale au sein de la Commission Défense et Sécurité, des ministres, même des gouverneurs militaires, oui, tous ceux qui sont impliqués ou concernés par la sécurité dans le pays et dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler. Oui, évaluation après, ça sera quoi? De manière objective et de manière apprivoisée, nous abordons tous ces sujets. Voilà, un petit souci technique, vous l'avez compris. Nous prenons les grandes lignes de l'actualité avec vous, Ntoya Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Des ressortissants indiens de manière isolée ont été dérangés ce mercredi à Kinshasa. Les Kinois s'attaquent à eux, prennent pour raison la mort suspecte d'un étudiant congolais en Inde. Ils ont été dissuadés par des tirs de consommation des forces de l'ordre. La Commission de Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale continue ses auditions de ministres de la Défense et de l'Intérieur en vue de l'évaluation de l'état de siège. Après des recommandations de la plénière, le violent s'accorde peu à peu pour une redéfinition de cette situation. En Algérie, plus de 50 personnes ont perdu la vue dans les incendies qui ravagent le nord de l'Algérie. Et en Kabylie depuis lundi, pompiers, militaires, civils luttent encore contre la course folle d'incendies meurtrières en Algérie. Et en sport, Lionel Messi a été présenté au Parc des Princes ce mercredi. La star de ballon rond, qui portera le numéro 30, a déclaré que son envie est de soulever une cinquième fois la coupe aux grandes oreilles. Ces titres et bien d'autres vous seront développés ce soir avec Christopher Otchoukoum. Kinshasa Direct se poursuit avec Fabien Lumbala. Voilà, merci de nous dresser cette charpente, Christopher Otchoukoum, dans moins d'une heure sur nos antennes. Pour l'instant, c'est Kinshasa Direct qui prend son envol. L'unique invité ce soir, John Kankondé, il est le président national de PENEC. Il analyse avec nous l'actualité, l'état de siège dans quelques poussières de secondes.
Et voilà, de retour, cette fois-ci, c'est la bonne. Je reçois John Kankonde. Alors, John, je vous avais déjà présenté. Nous allons tout droit au but, l'état de siège dans les deux provinces. Nous sommes à la cinquième prorogation. Maintenant, c'est l'évaluation. Les auditions continuent au niveau de la Commission Défense et Sécurité. On parle d'abord des forces, on aborde les faiblesses. Et est-ce qu'on va continuer sous cet angle? Vous avez la parole. Déjà, c'est une très bonne décision que le chef de l'État avait prise. Hein, une décision ingénieuse de poser, je peux dire, de proposer d'abord cet état de siège. Ça a été salué par plusieurs et ça fait partie déjà d'une petite histoire, d'une histoire récente. Et l'actualité aujourd'hui, c'est l'évaluation. Des élus ont exigé l'évaluation. Les deux gouverneurs militaires sont à Kinshasa, ils ont été auditionnés. Est-ce qu'il faut continuer comme ça ou il faut revoir la méthodologie ou l'approche? Effectivement, vous savez, quand on fait l'état des lieux, quand ces deux autorités militaires sont auditionnées, c'est pour que un citoyen lambda puisse comprendre. Parce qu'il faut vous rappeler ici que les choses n'ont pas été très bien expliquées au départ. Et les gens n'ont pas compris pourquoi on a imposé cet état de siège. Il faut vous rappeler que cette guerre qui sévit notre pays tire son origine depuis l'entrée de l'AFDEL. Depuis tout ce temps, je suis parmi les rares Congolais à l'étranger qui avaient participé dans le Sénat allemand pour exiger, demander à ce que la force internationale puisse venir ici chez nous. Aujourd'hui, avec l'avènement du chef de l'État, voir maintenant les autorités militaires demander, faire un travail énorme. Le bon côté, c'est il y a quand même la recrudescence des assassinats, des enlèvements, des bandes de coupeurs de route. Tous ces gens-là, pour le moment, ils sont en débat d'âme. Vous voyez, du bon côté, parce que nous parlons d'abord du bon côté, qu'il y a plus de 40 000 rebelles qui se sont rendus avec les armes, avec leurs munitions. Il y a plusieurs villages qui ont été récupérés par notre armée, que je félicite en passant. Ça prouve que dans des endroits où le villageois avait fui, depuis la nuit des temps, ils sont en train de récupérer, de rentrer chez eux. Il y a quand même l'accalmie. Mais le travail n'est pas fini. Parce qu'il faut vous rappeler ici que, du mauvais côté, c'est que ceux qui étaient en perdition sont en train de chercher à rentrer. Je rappelle ici que M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, avait déclaré qu'il y a même des députés nationaux, il y a même des autorités congolaises qui sont de mèche avec ces gens-là. Nous pouvons dire que la guerre était téléguidée à partir de Kinshasa, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Vous avez vu les déclarations de quelques députés qui se disaient que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas dire ça. Alors que M. Mbosso, c'est quelqu'un qui a des informations de tout ce qui se passe là, de l'autre côté. Il était de son droit d'écrier, de demander à ce frère-là de quitter les groupes armés. Aujourd'hui, il y a l'évaluation. Ça, c'est le point focal. Je me dis, pour moi, pour ce qui me concerne, pour le prendre nous en charge, donc, qui est à ma charge, nous demandons à ce que l'état d'urgence, l'état de siège puisse continuer, même après des ans. Ces gens-là, nos autorités militaires, doivent encore rester là-bas, parce que nos amis, nos frères de l'Est, doivent vivre dans la paix, et nous voulons la paix. Parce que, quand vous regardez, nous parlons de l'ADF. L'ADF, c'est vrai, ils n'attaquent pas leur pays d'origine. Normalement, ce sont les Ougandais, rwandophones, ainsi de suite. Mais ces gens-là n'attaquent pas leur pays. Ces gens viennent attaquer chez nous. Mais avec la complicité de quelques Congolais, et là, nous déplorons cette histoire. Alors, le changement a été opéré au niveau des opérations, du commandement des opérations. Nous avons des gouverneurs militaires. Ils ont une administration militaire. Ce ne sont pas les civils qui entrent en jeu. Pour le moment, un peu en retrait, parce que condamnés par l'état de siège, de rester inactifs. Alors, mais est-ce que ça donnait, lorsque l'inspection générale des armées parvient à mettre la main sur
des réseaux qui ne rendent pas bon service à l'armée. Lorsque on constate que les terroristes, entre guillemets, sont aussi alimentés par certains Congolais, certaines Congolaises, même en information et en logistique, est-ce que nous pouvons dire que vraiment il s'agit des ADF qui viennent des pays étrangers, des Rwandais ou de Burundais? Oui et non. Vous savez, raison pour laquelle nous félicitons le chef de l'État, parce que nous avons quelques autorités militaires qui sont de mèche avec ces gens-là, qui vendent les positions de notre armée. Mais il fallait qu'il y ait l'état de siège pour que nous puissions voir exactement qu'est-ce qui serait trouvé sur le terrain. Imaginez qu'il y a des officiers militaires qui sont arrêtés parce qu'ils ont dû détourner l'argent, les soldes alloués aux policiers sur place ou à l'armée sur place. Et qui vous a dit qu'ils sont arrêtés déjà? Non, écoutez, ils ont été interpellés, mais le reste, c'est la justice militaire qui va faire son boulot. Est-ce que de manière exemplaire, comme on retrouve beaucoup dans la Grèce du Boa, que ce soit des civils, que ce soit des militaires, est-ce que de manière exemplaire, il ne peut pas être sanctionné au grand jour pour donner un exemple? Et spécialement, j'aurais demandé au chef de l'État ou à nos services militaires. C'est vrai que la RDC n'a pas souscrit à la peine de mort ou bien à la pendaison, mais j'aurais voulu qu'en titre exemplaire, ce genre des autorités militaires qui sont de mèche avec les ennemis, ça c'est la haute trahison. Ces gens devaient être pendus en public parce qu'on ne doit pas continuer comme ça. C'est vrai, il y a eu plusieurs... beaucoup d'argent qui était sorti alloué à ces gens-là. On a compris que par rapport aux effectifs que l'armée avait annoncé aux autorités ici à Kinshasa, on a trouvé qu'il y avait plus de 12 000 militaires, 12 000 armes, 12 000 tenues qui n'étaient pas là. Où serait parti tout ça? Qui en est bénéficiaire? C'est pourquoi je vous demande, afin que je nous demande, afin que nous puissions exiger que quand on arrête ce genre de personnes, c'est vrai que notre armée a été infiltrée, mais posons-nous des questions. Où s'est réparti toutes ces armes-là, toutes ces tenues militaires, toute la logistique qui était allouée à ces gens-là? C'est-à-dire que ça se retrouve quelque part. Raison pour laquelle les autorités militaires, je demande aussi au chef de l'État, qu'on doit faire attention avec ce genre de personnalités qui sont de mèche avec les ennemis. Je parle ici de la haute trahison, dans l'armée, dans d'autres pays. Une fois que vous êtes de mèche avec les ennemis, on vous arrête, vous êtes foutu en prison. On ne va pas parler de droits de l'homme à ce moment-là. Parce que si chez nous, quand on parle de droits de l'homme, tout le monde, moi personnellement, je suis aussi initiateur de quelques mouvements citoyens. Alors, pour ce qui concerne ce qui se passe à l'Est... Vous avez aussi des mouvements citoyens qui opèrent sur place au pays. Qui opèrent sur place au pays. Ah, donc vous êtes parmi... J'en connais aussi quelque chose. Les réseaux branchés sur les filières Soros, Mou Ibrahim... Nous connaissons ces gens-là. Non, vous êtes branchés sur ces réseaux qui alimentent certains mouvements citoyens. Citoyens. Non, je ne suis pas branché là-dessus. Vous savez, j'ai beaucoup œuvré à l'étranger dans des mouvements citoyens, dans la Amnesty internationale, pour ne pas les citer. Tout le monde connaît la sérieuxité de ces gens-là. Mais ici, chez nous, nous avons compris que la majorité des mouvements citoyens sont des mèches avec les ennemis. Raison pour laquelle vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, juste une parenthèse, il y a eu une marche, une manifestation qui s'est passée il n'y a pas longtemps, je pense le samedi ou bien le vendredi. Vous voyez les jeunes gens du mouvement citoyen qui eux-mêmes vont se livrer, se donner à la police pour que la police puisse les arrêter. Entre-temps, ils sont en train de se filmer. La finalité, c'est quoi? Ils amènent ce genre d'images pour amener aux gens qui sont en train de les soudoyer. Nous connaissons comment ça marche. C'est pourquoi je demanderai au chef de l'État afin qu'on puisse essayer de régulariser ces histoires de mouvements citoyens. On n'a rien contre. Je vous dis qu'en ce moment, ici au Congo, on n'a pas besoin de mouvements citoyens. Vous en avez créé combien? J'en ai créé au moins John 3. John Kankondé. J'en ai créé 3 qui sont actifs. Qui sont actifs à Kinshasa, qui font un travail énorme. Je ne vais pas vous citer le nom, voilà, pour le moment, parce que j'ai l'autre casquette de qui les alimente?
qui les alimente, ils sont dans tout ce qu'il y a comme ONU ici, MONUSCO. C'est là où ils vont faire... Qui les alimente financièrement pour la logistique et puis voilà. C'est l'étranger. L'étranger. C'est l'étranger. Ce sont les réseaux de l'Union européenne. De l'Union européenne. Il y a des filières qui sont là, que nous allons dénoncer parce que trop, c'est trop. Nous avons des gens qui meurent là-bas. Vous êtes parmi ceux qui ont créé ces mouvements. Comment vous allez dénoncer les sources, les financements, les réseaux qui les financent ? Le fait que nous étions à l'intérieur de ces choses-là, nous avons l'obligation de dénoncer quand quelque chose ne marche pas. Nous avons œuvré pour réellement dénoncer ce qui s'est passé avec les 18 ans passés. Vous savez, dans les temps, la police pouvait avoir la gâchette facile. Vous faites des démonstrations au lieu des manifestations, vous êtes arrêté unilatéralement, on ne peut pas voir, ou bien vous venez, on doit venir vous chercher à la maison, soit on peut vous fusiller facilement. Mais ce n'est pas le temps, ce n'est pas le cas avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi. On a déploré ce que vous avez appelé l'impunité sous le régime passé, mais après le travail fait par l'inspecteur général des FARDC, Gabriel Amissi et Kumba, pouvons-nous espérer que les vrais auteurs identifiés de la mafia et de... qui sont des mèches avec les terroristes, entre guillemets, eux, ils vont subir la rigueur de la loi au grand jour pour que le peuple puisse connaître ces vrais traîtres. Ou bien ça va rester comme ça, dénonciation, plainte, on a détourné, on a interpellé, et ça c'est limite là-bas. Le maire de... plutôt le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, jusque-là, on ne connaît pas la suite. Qu'est-ce qu'il est devenu? Où en sommes-nous avec son dossier? Parce qu'il a été également cité parmi ceux qui sont dans la graisse du BOA. Qui font que le BOA prenne davantage du volume en termes de graisse, alors que les Congolais meurent dans l'Est? C'est vrai, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit ici, il doit y avoir des sanctions exemplaires. Nous ne sommes pas autant de dénoncés. Est-ce que le décor, c'est un décor qui rassure que ces gens vont être punis, ceux qui vont être réellement pris la main dans le sac. Mais vous avez cité ici, M. Amissi Kumba, que je salue en passant, par rapport au travail qu'il est en train de faire. Il est allé sur place, il a fait des investigations avec ses équipes, il a trouvé que, pour la toute première fois, que notre armée, on trouve que il y a des fuites dans des grippines, c'est-à-dire à l'intérieur de l'armée. Mais nous déplorons tous cet état de choses. Mais nous demandons aux autorités, d'abord militaires, nous savons que le chef de l'État, il est au-dessus de tout, parce que c'est lui le chef des armées. Il doit prendre des initiatives. Il doit vraiment, parce qu'il a déjà pris des initiatives, nous le remercions pour ça, le fait d'installer déjà l'état de siège. Mais nous, on ne doit pas continuer avec l'impunité d'arrêter les gens. Et par après, parce que vous avez cité l'ancien gouverneur qui est des mèches avec ces gens-là, je demande à la justice... Non, je parle le président de l'Assemblée provinciale du Nord qui le président de l'Assemblée était cité, nationale. Mais jusque-là, c'est un flou artistique. Non, mais nous avons l'obligation... On ne comprend plus rien. Nous allons demander, où en sommes-nous avec ces dossiers? Fabien Lumbala, vous êtes un journaliste internationaliste, un journaliste assidu à son travail. Mais nous avons l'obligation de descendre sur place, aller poser la question aux autorités compétentes pour qu'ils nous disent qu'en est-il avec l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est traduit en justice? Qu'est-ce qui se passe? Nous voudrions voir, personnellement, pour ce qui me concerne, les gens de personnalité comme ça, si s'il est avéré qu'ils sont des mèches avec les ennemis, ils doivent être pendus pour donner l'exemple à d'autres personnes. On ne doit pas continuer à dénoncer. Dénoncer ne veut rien dire. C'est vrai dénoncer, mais la finalité c'est quoi? Je pense que nous sommes en train de mener des actions, parce que nous parlons action, nous parlons peuple d'abord, nous parlons de prenons-nous en charge, nous avons l'obligation de nous prendre en charge, on arrête un individu comme ça, il y a la justice qui fait son travail, dans d'autres pays sérieux, je pense que ce genre de personnalités, on ne peut pas entendre parler d'eux, soit ils sont en prison pour longtemps, soit ils sont pendus, pour montrer l'exemple à d'autres qui voudront, ou bien qui penseront, de faire la même chose. Alors, c'est une stratégie de pouvoir amener ces gens jusqu'à des sanctions exemplaires
n'est pas beaucoup communiqué autour de ça, alors que la haute cour militaire du Nord Kivu venait de sanctionner de manière sévère les deux officiers, le major et le capitaine, qui se sont bagarrés au lieu d'user de leur pouvoir, de leurs armes, sur les ennemis du peuple et de la République. Eux, ils se sont illustrés par les biceps. Alors, la sanction a été exemplaire, condamnée à perpétuité. Alors, pourquoi n'est pas continuer sur le même élan lorsqu'il s'agit des vendeurs des tenues de l'armée, de la logistique, les armes, comme on voit, on a vu des vidéos ici, les soi-disant terroristes avec des armes sophistiquées de l'armée, avec des lance-roquettes et autres. Où est-ce qu'ils les ont trouvés? Alors qu'hier, ils avaient des machettes seulement. C'est vrai, je déplore ce qui s'est passé, la bagarre qu'il y a eu entre deux officiers militaires. C'est vrai que l'un n'a fait que se défendre, mais comme ils ont subi la rigueur de la loi, mais nous demanderons aussi, parce que ces choses, ça s'est passé à l'est de la République, je demanderai aussi, en fait, que la même justice qui arrête ses fils et ses filles qui sont de mèche avec les ennemis, les ADF, parce qu'on parle d'eux, ce sont les États islamistes. Et je demande à ce que puisse y avoir une justice responsable qui doit effectivement punir, donner des sanctions exemplaires à ces gens-là. Imaginez, parce que vous avez cité... Et ceux qui ont ces armes lourdes, vous avez vu, ils ont des barbes longues, bien sûr, mais ils parlent tous... Swahili. Qui Swahili, la langue, l'une des langues du pays. On n'a pas entendu ces gens à l'accent anglophone. Non, ces gens-là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères qui sont de mèche avec quelques autorités militaires. Je vous ai dit tout à l'heure que notre armée était vraiment infiltrée, inféodée jusqu'à la moelle. Raison pour laquelle, parce que vous avez cité M. Ami Sitango ici, je voudrais qu'il puisse faire un peu le toilettage professionnel dans l'armée, qu'ils puissent savoir qui est qui. Parce qu'on a vu les images avec vous, qu'ils sont en train d'être ravitaillés avec deux missiles, avec les armes sophistiquées, parce que nous le parlons ici. Mais qui est en train? Ce sont des armes qui coûtent trop cher. Est-ce que ce ne sont pas des armes qui passent par l'Ouganda, qui passent par le Rwanda, le Burundi, raison pour laquelle les réseaux des mafieux qui estiment que les pièges des ressources du Congo doit continuer. Alors, pourquoi pendant cette période, on ne peut pas interdire l'exploitation artisanale des minerais? Mais ça, c'est le gouverneur militaire sur place qui doivent normalement instaurer. Heureusement, ils sont en train d'être auditionnés. Je pense qu'il y aura des propositions, il y aura des amendements qui vont leur permettre afin qu'ils puissent faire ça. Mais j'apprécie, j'applaudis aussi, parce que les gens parlent toujours que le chef de l'État, il a promis, il n'a pas réalisé. Nous voyons maintenant les troupes tanzaniennes, les troupes de Nairobi, des Kenyans, qui sont en train d'être déployés de ce côté-là. Ces gens-là, ils ont une expertise par rapport au terrorisme urbain. Le fait qu'ils sont entrés, nous saluons le chef de l'État parce qu'il a promis, il a réalisé. Le fait que ces gens-là vont venir au secours pour nous appuyer notre armée, je pense que... Ce n'est pas la première fois que des armées étrangères nous viennent en appui, justement, la brigade internationale. Non, mais parce que là, la brigade d'intervention comprend également des Tanzaniens et des militaires d'autres pays. Ils ont une autre mission, mais non. Leur mission est autrement, comment définie, ils viennent, c'est pour essayer de réfléchir, traquer, arrêter, à la rigueur, récupérer tout ce temps de ce coin-là, essayer de mettre aussi une frontière, une barrière pour empêcher à ce que tous ceux qui viendront, qui voudront venir servir chez nous, parce qu'ils ne servent pas l'Ouganda, ils ne servent pas Burundi, ils ne servent pas le Rwanda, ils viennent servir chez nous parce que nous avons des minéraux. Donc le pays qui attire tout le monde, nous avons l'obligation de nous protéger. On nous dit on nous fait signe qu'on a terminé. Dernière petite question, est-ce qu'en ce moment où l'armée et la police ne sont pas prêtes à recevoir ces délinquants qui ont abandonné les armes, est-ce qu'il faut un DDR,
un programme d'EDER en ce moment, avec encore perte des moyens financiers pour insérer ces délinquants. Est-ce qu'on ne peut pas les envoyer à l'INPP à prendre un métier au lieu de créer un EDER qui doit avoir des antennes dans chaque province? Je ne permets pas. Je ne permets pas parce que cette stratégie-là a déjà montré ses limites. Je ne permets pas qu'on puisse avoir encore un programme de DDR parce que c'est la même personne qui, une fois repris leur poil de bête, essaie encore de servir. J'aurais voulu qu'on puisse désarmer ces gens-là, essayer d'avoir d'autres programmes, on va y mettre des moyens. Ils peuvent apprendre d'autres métiers que de continuer toujours de servir de l'armée parce que nous voyons déjà qu'il y a un petit souci avec notre armée. Merci. On ne peut pas essayer de revoir, de réapprovisionner ces gens-là dans notre armée parce qu'ils ne sont pas capables de... On va d'abord commencer à les désintoxiquer psychologiquement et c'est les désorienter dans d'autres services que dans l'armée. Jamais l'armée, la police. Jamais il l'armée. Faut des psychologues pour faire les suivis de ce jeune ou des adultes qui ont décidé d'abandonner les armes face au feu des FARDC, les orienter, mais non pas à travers des structures qui vont encore nous bouffer de l'argent. Je crois que le temps est donc à la prise des décisions importantes. On attend la presse militaire pour nous fixer sur l'essor de ces officiers qui ont gardé les masses d'argent destinées à l'état de siège dans l'est du pays. Les garder dans leur maison, dans leur bureau. Quel sera leur sort? Il faut des décisions impopulaires parce qu'il s'agit du salut du peuple, de la nation. Bonsoir, M. Kankondé, président national de PENEC. Il sera peut-être avec nous prochainement pour aborder l'actualité après l'évaluation et ou les différentes auditions. Le journal et après sur Télé 50. Portez-vous très bien. Au revoir.